Et bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Entre les Splits sur Nier Replicant. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les documents qu'on n'avait pas lus, à savoir du coup la lettre d'amour pour Mamie, là, pour la gardienne du phare. Le dernier mensonge qu'on aurait pu lui donner. Mon amour, 50 ans sont écoulés depuis que je t'ai vu. Comment est-ce possible? À nos retrouvailles, j'espère que tu oublieras mes rides et que tu retrouveras le jeune homme que j'étais. Je me suis rappelé notre jeunesse, quand on s'est rencontrés. Tu étais la plus jolie fille du village. Si c'est ta beauté qui m'a d'abord attiré, c'est ton bon cœur qui a su me charmer. Je suis heureux de te lire, car je vois dans tes lettres que tu es toujours aussi merveilleuse. Chaque jour, je remercie les dieux de nous avoir fait tomber amoureux. Même si je les maudis de nous avoir éloignés, nous nous reverrons. Attends-moi, mon amour. Non mais ouais, hein. Je pense qu'on a bien fait quand même de lui dire la vérité. Hein. Oui, il y a la lettre du maire, mais ça on l'avait vu, on l'avait lu. Et pareil, mon anniversaire, on l'avait lu. Mais on n'avait pas lu « Lettre à une bien-aimée lointaine ». Ma chérie. Donc ça, c'était le mec qui cherchait ça, qui voulait que sa meuf le rejoigne, qui était sur l'air, et on l'avait affronté. Enfin, on l'avait affronté, non. Mais on avait affronté l'ombre qui l'a buté. Mais... Parce qu'en fait, le truc, c'est que je... Enfin, ouais, mais non. Oui, parce que non, ma théorie, elle tombe à l'eau. Parce que là, je commençais à me dire avec l'ombre qui prenait le sac à main, là. Qui avait volé le sac à main de la meuf, sauf qu'il l'a juste volé finalement. Enfin, il l'a juste volé. On sait pas trop. On sait pas trop ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que je commence à me dire, ah, ça se trouve, en fait, ils se transforment et tout, ils deviennent des ombres. Mais. Parce que peut-être qu'en fait, la nécrose runique, ça transforme en ombre. Mais bon, en tout cas, visiblement, c'était pas le cas pour la meuf du mec là qu'on a vu pour la quête principale. Bon. Donc, le message. Ma chérie, mes efforts pour cultiver le Frisia apportent enfin leurs fruits. Je sais que j'ai mis du temps, mais je ne voulais pas te contacter tant que je n'avais pas sorti la tête de l'eau. Maintenant que l'argent commence à rentrer, j'espérais que tu quitterais le village pour devenir mon épouse et vivre à mes côtés. Je sais que c'est soudain, mais je ne suis pas doué pour ce genre de choses alors. Je préfère être direct. Je t'attends. Bah, c'est triste, hein. Ah oui, j'ai amélioré mon esquive et ma garde, je leur ai mis des mots. J'ai vu qu'on pouvait faire ça. Bon, on compte peut-être un peu tard, mais... Bon... Ah oui, d'ailleurs, vu que les premières lettres que reçoit la gardienne du phare datent de février... En fait, ouais, c'est possible que ça date au moins de janvier, la maladie de Yona. Ouais, il faudra définitivement qu'on retourne à façade. Hein. Bon, on fera ça plus tard. Ok, je voulais vérifier, mais là, du coup, je peux pêcher. Parce qu'il faut que je trouve d'autres spots de pêche. J'ai un peu essayé la pêche, mais... Bon, la sardine, ça fait mordre un truc, sauf que ça prend 150 milliards d'années. Bon, on va aller voir Popola. On va passer faire un crochet par Popola quand même avant. お客さんも見つかったみたいでよかった。お願いを聞いてくれてありがとう。助かったわ。うん。水路の完成、楽しみにしてます。また何か困ったことがあったら。 何でも言ってよね。お疲れ様。あ、ちょっと待って。はい。そうそう。ヨナちゃんが呼んでたわよ。ヨナが？なんだかお願いがあるみたいよ。お兄ちゃんは大変ね。わかりました。ありがとう。あ、お兄ちゃん。ポポルさんから聞いたよ。 なんだ？お兄ちゃん、ヨナの頼みは何でも聞いてあげるからね。じゃあ、ユウね。うん。お友達を助けてほしいの。お友達？そう、ヨナ、お手紙でお話ししているお友達がいるんだけどね。手紙で話？文通ではないのか。 文通している友達？うん、男の子のお友達。
Otokonoko. Sonoko wa byouki de kumatteru nda kedo. Oniichan to Shirochan de byouki o naoshite agete hoshii no. Shirochan. Sono otokonoko tte no wa Ah, dans le manoir de mort là? Ya, demo, cela va. Dame? Dame, toka, janakte. Alors, oui, guérir la nécrose runique est ma priorité, certes. Mais, bon, on aide tous les gens qu'on croise dans le monde, là. Je veux dire, notre sœur a besoin d'aide, la moindre des choses qu'on peut faire, c'est quand même de l'aider. Genre, au bout d'un moment, bon. Je veux dire, voilà. Enfin, déjà qu'elle voit pas beaucoup son frère, si en plus elle le voit pas, et que quand elle lui demande de l'aide, il l'aide pas, et dit non, non, vas-y, démerde-toi, moi je vais faire de l'argent. On est peut-être pas à ce point-là non plus, c'est un ami. Aïe aïe aïe. Bon bah du coup on va aller aider Yona. Hein. Ah mais c'est la quête principale. Ouais. Du coup c'est la quête principale ouais. Ouais non mais en fait même si je disais ouais, je pense que peu importe le choix que je faisais ça revenait au même non? Sûrement. Hein. Je vais peut-être passer vite fait à la façade avant. Histoire de récupérer les quêtes. En fait, comme ça, au moins, je récupère les quêtes. On sait ce qu'on a à faire. Et voilà, et ce sera plus simple après pour moi de farmer les trucs. Comme ça, on va en profiter, moi, sur le chemin, pour faire cette quête de mort, là. Allez, c'est parti. On n'a pas le droit de dasher. Ikuso. Kaine wa kouyu shigoto wa ukemu no ka. Mendo da kara na. 下着女は破壊するのが仕事だからね。お前から破壊してやろう。 Ah oui, je viens de penser à un truc. Et d'ailleurs, je viens de... Enfin, c'est Kaine... voilà, Kaine, on peut lui donner des ordres. Kaine, attaque. Kaine, à l'aide. Kaine, reste sur tes gardes. Kaine, à l'aide. Voilà. On va faire ça comme ça. Parce que là, du coup, normalement, elle doit me défendre, j'imagine. J'espère. Je vais du bon côté, au moins. Non, je suis pas allé du bon côté du tout. Il faut descendre. Là, je vais vers... vers le premier donjon. そう。嫌な音がしたな。何かが割れる音がしたね。これでは届けても意味がなかろう。戻って謝った方が良くないか。そうかも。 Putain, mais saloperie de loup! Oh, ma livraison! Ma livraison là! Je vais mourir. Pour un coup, je suis encore. Un coup, je suis mort là. On va s'en aller. Ktai! Tatoza! どうしたの? すごい悲しそうな声だけど 刻んでて切ってて怒れて決まったんだ それはお主が全面的に悪いだろう ああ、通りか ダサラ、トチリ、キオリュウ、取ってゼルガート、セザワデとロード、サンギンとセザワザ、テチ、イラタステ 僕に狼の毛皮を取ってきてほしいってこと? 通りだよ、オリ タトルサタ わかった。引き受けるよ。どうさい?
Je t'aide vraiment pour le sang. Combien? Non mais j'en ai pas une de peau de loup, je crois. Attends. Ouais, non, bon, on va vérifier, hein, mais... J'en ai une. J'en ai une de peau de loup, petit bâtard. Quel enfer. どうしたんですか?どうさ、さらってきて、さらたいさと。すみません。心当たりはないですね。じいさ。僕の方でも少し探してみます。何か分かったらお知らせしますよ。何か特徴はないのか?だ、じいやりたと来ていると行く。いだったとで、に来ていると。 我が、たく、ぞがいく。ユーリスウェイとそ?首都、開鎖港でさせたわ。当地、たたけんやりちゃった。首都、ヨーリンケンチェスちゃう。こんにちは。荷物を届けるよう言われてきました。あてとずいさ。え、これは。歌うきいさってた。イエチクギタン。 基礎土地、ウラーヌ島でしている洋流でて。くぎたされ家で来て、ジェスタラキ。なるほど。仮面の人に化けておったのか。もう逃がすなよ。絶対連れて帰るから。おっさた、タトザールとジーザーシーテライクさ。どうしたの?お、デタンサツ、ジオーリスクルタ。 トトソウリュウツアルテルアザアルト。ユチトチイルヨウリュウタトで。ゲソウリュウチ監査来て。具体的にはどうすればいいの?グッドとオイチマク。来てチエタチと。これとチンルソトチタリク。エタサラヤリチタリクトでゾスダカイ。来たチトトザ。 さちついて、していくさらグルーデシケ。これは交流なのか。アルテルアサラテ、来てセクサ。交流を持つことはいいことだよね。参加するよ。タクゾガイク。伝存化し出ずちとダリル。ヘルアとアルテルア対決地。で暫定。 変わったゲームだね。この街の人間は皆変わっておるからな。そんなことないこともないか。ああ、ところで。何?さっきの伝言、忘れてはおらぬだろうな。ああ、多分。ユーリス H、たったぞ。ああ、エーサレキと、デートとそろた。 情報を整理すると、ここら辺で彼氏と一緒にいたようだけど。これは結婚でないか。本当だ、まだ新しい。ここ数日のものであろう。最後に一緒にいたっていう彼氏を探そう。何か知っているかもしれない。明日アルテルアギウチ。ハハハ、サタイと来て。 アルテルアで一たさたおり期待と。とさた、ザアルトシーテクサ。どうしたの？クトタンギョトスツゾチコウトオイキテサオトオッテイルトデタンギョトオヤリザサテイセタイトタテオリヌンジ。うん、協力するよ。 クゾガイク、連れてしてしたいと。デトウギソジ。その曖昧な説明の食べ物は何だ。ふけん、アルテルアできてたとかい。とってたらたいりだと。また変わった掟だね。思いつくものを手に入れたら届けるよ。まったく、なんという不合理な掟だ。 買い物の品目一つ伝えられぬとは、愚かしいにも程があるぞ。
まあまあ。お主は平気なのか。気にならないわけじゃないけど、何かその掟にも理由があるんじゃない？僕らにはわからないけどさ。急に物分かりが良くなったな。頭は大丈夫か？今のは褒めるところでしょ。ユウザ、改ざむ固くせてしたかった。助けたというか、見つけたというか。たく、そがいく。改ざむあってと、アザ、ベルワトとついさら。あ、改ざむせとウィギキスポチ。なんだそれは。ザクタアラキ、トウヨリワグアルセルクズレト。け、落ち着だかい。こんな高価そうなもの、もらっていいの？もちろん、ウラーヌペルワとオンジチさえいた。ならば、ありがたくもらっておこうか。シスギンより。何？カイザムとキテチ、イーラと恐竜を聞く。砂漠の井戸。イーラとデシタ戦後通させられた。それなら見たことあるかも。ウタとタザレ、両竜来てクルタとデグ。カイザムセチとデグザ、よりロキセレ。オキテにそう書かれているのか？いえ、カイザムとソウイチオリルとデグ。そっか、なら使わせてもらうね。ヨーリススター、ケスレ、タサ、起きろ。それ、大事なものなんでしょ？だよーり、出せで、出さなと気づかれた。カイザム、ワクトで除外権。人間、すぐには変われない、ということの恒例であるな。イーラツセル、ゼルグアンチ。年はゼルグアンキストスと、クザタ、タト、ゼルグアンド・シツレル。ユリス・エイトソ、アキサート・キテルザ・ダテ。ほら、今度はもう逃がさないからね。あなたもしつこいですね。あ、あれはなんだ？しまった。まだ遠くへは行ってないだろう。町の外に向かうのだ。伝言先の一人目で会ってますか？平才、アザトリゼイ。仮面の人は掟を大切に。平才デク、アルテルはトッテッド。で、伝存歌詞、カイザムとジルト。ペルアとイキカイザムとたち。チャンズイザ、ユラ。数日前から行方不明になっているこの足取りを探しています。彼氏だというあなたに話を聞きに来ました。彼女がいなくなる前にあなたが一緒にいたという話を聞いたのですが。キリケンより、ソト。恋人なんでしょ？心配しないんですか？チロン、キニー。で、ユラさん、賛成待機隊。話は変わるが、先ほど調べていたら、お主たちが最後に目撃された付近に奇妙な血痕があったのだが、何か隠していることがあるのではないか。もしそうなってからでは遅いであろう。ああ、偽装だった。来た外で戦殺地だって。気づいたらトスワイチだって。里行寿司ときて切って、こきたらサチアだ。そうだったんですか。でも人が一人死んだんです。そのことを隠そうとするのは重い罪ですよ。わさって生きた。いつで解けるわせざったいって。そうはしたってと、とくずこっとちある。くたとわしでるとちくってしきた。まあ言えるとで、デク。
正直に言ってくれてありがとう。僕たちはその砂漠の井戸を見てくるから、ここを動いちゃダメですよ。伝言先の二人目で会ってますか？あざったりだ。仮面の兵士は王のためにかな。ヘイサイダー、ヘルアトイキ、カイザヌットたち。で、辻と伝存へ。伝存歌詞、そのと、ウドウルト。太陽竜、ソリタイだ。伝言先の三人目で会ってますか？いい、アザカンチ。伝存。確か、子守は大変。ケイサイレク、ソリってヨーリって。で、辻と伝存お伝え聞く。辻と伝存担当と、ウツソカイザムゴスレグ、トタリク。伝言先の4人目で会ってますか？アザ、料理チンだ。か。宝物庫は王族以外入れず。エイサイだ。タサラである。変わる戦利隊。で、伝存、伝え。伝存、カシタキとタサイと。太陽竜、理由から。伝言先の5人目で会ってますか？アザゾチン、カイゾと伝存カシゼイ。こ、伝存テイ。リュウサだよね。ケイサイ、クロキ。伝存とリュウカ、スターゼルザーありきて。本当に話の長いことだな。ヒゾチンとサタチ伝存ザついて。で、ヘルアとユウソトキリエタ。来たとオセリスダカイ。これって交流になったのかな。わからん。そう、しつこいよあんたら。東街道の方に向かっておるぞ。砂漠から出る前に捕まえるのだ。毛皮のコートで浮気を許してもらおうってのはどうなんだろう。短絡的というか、植物的というか。何を言ってるんだ。ただでもらえるんだったら嬉しいに決まってるだろう。世界が買い値ばかりであればシンプルで良いのだがな。政治と受け取っておくよ。大変だ、魔物の群れが現れたぞ。もう騙されない。あれ、あれは何だ。同じ手には何度もかからん。神の群れだ。だから何度も同じ手には。ん？まさか本当に狼の群れが出てくるなんて。いい加減懲りたでしょ。そら、ああ、もうこんなの懲り懲りだよ。冒険は本の中だけで十分さ。よし、家族のところに報告に行こう。ここには何もないようだね。先を急ぐぞ。砂まみれにならぬうちにな。
体探しとは。あれ、見当たらないよ。あの男の供述と違っている。不可解であるな。嘘をついているようには見えなかったし、遺体の隠し場所だけ嘘をついたって意味ないよね。仕方ない、一旦戻って娘さんの家族に事情を説明しよう。ないな、死体は。どういうこと？流されたか、さもなくば狼に食われたか。そんな、または男の勘違いということもありえるな。お座席来た。どういうこと？あの恋人の話では娘さんは、こ、サタ、なんで言う、言ってるんだ。マジ言ってると、ルデアザキングテルタイ。だってだって、トシ、アザだとて。どういうこと？あの男の妄想だったという。ああ、打ち解く来てぎつさったとさらだ。それクトチゾを来ていたおでく。Un petit quelque chose。だとて。どうなっている。何、サソリだな。拙速動物門胸郭亜目クモコウ、サソリ目に属する動物で、構造的にはクモの仲間だ。つまりどういうこと？敵だ、倒せ。分かった。ごめんなさい、壊れちゃったものは仕方がないさ。もう一個あるからまた頼むよ。こんにちは、荷物を届けるよう言われてきました。アテとズイさん、トシとタとサラとお礼、我が届せてタクゾガイカ。荷物は無事届けられたし、報告、狼の毛皮を10枚取ってきたよ。たくさるより俺いて、アトンとザサンケくれ、タサタオリでした。カンカンに怒っているんでしょ。贈り物のことを話す前に取り繕ってもらえるの？タキサチ、あった。ユーザーサタイチ、タキトを着てしてすれ。え、僕が？話を伝えるだけだよ。タチサラタチ、サタイクズウエト、最高地行くとでお手伝い聞く。こんにちは、伝言があるんですが。夫サル？うん、自分が悪かったので仲直りの印に贈り物をさせてほしいって。はぁ、あ、トラキヤリリサタってあるんだサラ。ギサラウワシタンってキタスルイトチ生きているゴロユリルキテハジオリウ。サタイとタサタオリデシキタユトゾ勝利をすとおさぜべく。もう浮気なんてしちゃダメだからね。150 000 lois et pas une sur la fidélité. Incroyable. Oui, bon, c'est une question de principe, de concept. Bref. Voilà. Mais bon.Parmi toutes leurs lois, il n'y en a pas une là-dessus, quoi. Coup dur.
En vrai, ce serait peut-être pas mal qu'on aille faire le principal. Qu'on continue vers la quête principale. Mais il y a un truc que j'aimerais bien faire avant. C'est explorer un petit peu ce côté, ce côté-là du désert. On y était allé en mode scripté. Maintenant, on a une boussole. Je sais pas trop quoi ça nous sert, mais on a une boussole. Ok, voilà, on a le temple stérile. Mais on voit, en fait, on voit les marques... Bon, on va faire le tour un petit peu. Après, il y a des loups. Les loups, ça, c'est la meilleure méthode. Hein. Mais il en arrive à l'infini, là, des loups. Ouais, bon. On va arrêter de calculer les loups. Putain. C'était Kainé. Tout va bien, ce n'était que Kainé. Oh! Il y a un coin de pêche. Incroyable. Attendez, qu'est-ce qu'on peut pêcher avec le leurre? Attendez, tiens. Il n'y a pas eu beaucoup de sessions pêche, voilà, il n'y en a pas eu du tout, quasiment... À part quand je comprenais pas. Ouais, bon alors le saut. Non mais... couché. Donc, on a dit, un leurre. Ah. Ok. Parce qu'en fait, ouais, j'ai l'impression qu'en gros, les poissons, ils mordent pas tous pareil. Donc là, là si j'ai un gros, une grosse vibration, faut que j'appuie. Genre là. Ah, mais là, voyez la barre à quel point elle descend pas. Et en fait, faut maintenir le stick vers le bas. Et se fier aux vibrations. Et dans les diagonales, en gros être dans la diagonale opposée, donc diagonale bas droite, diagonale bas gauche et bas. Essayer de varier le stick plus ou moins dans le côté, du côté opposé, en le maintenant vers le bas, vis-à-vis du poisson. Voilà. Et là ça va être trop long. Et je suis en train de perdre le fil. Bah là par exemple, ce genre de pêche poisson par contre... Tu ressens vraiment ce que disait le pêcheur quand il t'apprenait au début la pêche. Où il disait... Au secours, je vais le perdre. Il disait que c'est un combat entre... Je vais le perdre. Hein. Il se bat trop, ouais, voilà. C'est un combat entre l'homme et la bête. Je pense que je suis pas prêt, en fait. Hein. Je pense que j'ai pas encore le level. Enfin... J'ai pas encore le level pour pêcher ce poisson-là. Ça prend trop de temps. Mais si je mets un arrêt Nicole... Ah non, hein. On peut pas m'attaquer pendant que je pêche. Ouais, non, on peut pas m'attaquer. Non, mais pas ça. Pas une boîte de conserve. Non, mais je laisse Kainé s'en occuper. C'est encore une boîte de conserve. Ouais, c'est un seau, c'est pareil. On va mettre un verre de terre. On va tenter le verre de terre. Ah bah je l'ai tenté direct. Oh regardez la barre comme elle descend pas. Vraiment que je... En fait je me fie qu'aux vibrations hein, je vous avoue. La manette. Parce que plus, selon comment t'angle le stick, la manette vibre justement plus ou moins du côté gauche. Côté du stick justement. Et ce qui t'indique si tu le fais bien ou pas. Bon. Très bien. Écoutez, on retournera pêcher dans le désert plus tard. Hein. Bon, on va essayer d'arrêter de se faire bosser par les loups et... Et aller vers cette zone là. Comment on fait? Par là.
だ入れないみたい。バイアス。ダンピ。On va soigner, hein. Pas que j'ai peur, mais un peu. Ah bah, level up. Nice. Nimotsu wa buji ni todokete kita yo. Arigato. Kore wa ore da yo. どの仕事を紹介しようか。仮面の人からの依頼だ。何でも息子のことについて相談したいらしい。依頼人の場所は地図に書き込んでおいたから、詳しくは本人に聞いてくれ。毎度。お？誰もいない。待て、張り紙がしてあるぞ。Grâce à toi, mon fils est revenu et a accepté de reprendre l'affaire familiale. Nous avons décidé de partir refaire notre vie ailleurs, afin de lui inculquer les valeurs traditionnelles, les traditions familiales. それはそれで一件落着だけど、結局この人たちの家業って何だったんだろう。あんたたち、ここの住人の知り合いか。知り合いってわけでもないんだけど、この人たちどうしたんですか。どうもこうもないよ。この一家、村中の人間から金を借りて逃げた詐欺一家だよ。息子は嫌気がさして出て行ったらしいが、そいつも借り逃げしてるんだ。ああ、家業ってこのことか。結局金は手に入らずか。高い勉強代だな。Yes。Bah, superbe. belle fin de quête en tout cas, hein. Yoku mo ma aki mo seizu ni yarare ni kuru koto da. Shikashi naze yatsura wa konna tokoro ni arawareru no daro. Shokuryou. Eh oh oh, y'a du monde. Ça me plaît pas des masses, hein. Donc, quelqu'un a ramené ses potes, lui. Oh, je vais mourir. Casse-toi. Mais what the hell? C'est quoi cette invasion là? Tout se passait bien? Ouais. Non mais y'a trop de monde là. Attendez, hein. Attendez, je vais récupérer de la vie, hein. Je reviens, je récupère de la vie. Ah tiens, on a obtenu un mot. Ah, puissance magique plus 6%. Hein. Pas dégueulasse, hein. Non, c'est dangereux. Hein. Un coup, il me tue. Hein. Ah, on s'en va. On m'a dit que c'était au こちらへどうぞ。Bravo, t'as tué les araignées. Trop fort.
Ouais, c'est la Resident Evil. Resident Evil. Trop stylé. C'est les caméras en plan fixe qui te suivent. Ah, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment en mode horreur, ça, du coup. Même l'ambiance en mode noir et blanc. Stylé. ここでお待ちください。めんどくさい。魔物が出たら呼んでくれ。またぬか。何やら面妖であるぞ。怖いの、シロ。そろそろ引き返さぬか。C'est vraiment en mode Resident Evil. Enfin, le problème, c'est que j'ai encore une fois aucune idée de là où on en est dans l'épisode. Je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter. Essayer peut-être juste d'avancer un tout petit peu là-dedans. Et on s'arrêtera. Mais je suis pas sûr que vous ayez beaucoup beaucoup de contenu entre guillemets en termes de temps. Enfin, par rapport à moi, ce que ça représente. Vu que j'ai pas mal farmé aussi de mon côté. Mais c'est stylé l'ambiance et tout. C'est vrai que Nier Automata avait plusieurs types de gameplay. Bah là où on retrouve un petit peu ce côté-là aussi. Mais de manière différente. C'est bien fichu. Et là, il n'y a plus Kaine. Kaine, où est-ce que Qu'est-il arrivé à Kaine? Sauf si on... Est-ce qu'on va apprendre la vérité rapidement? Je ne pense pas, je ne sais pas. Voilà, qu'est-ce qui se cache au milieu de ce manoir? Eh bien, on le découvrira la prochaine fois. Eh oui. Comme ça, au moins, voilà. Je sais pas du tout combien de temps ça fera pour vous. Mais on va s'arrêter là. Et au pire des cas, je ferai un mix-up chelou au prochain si vraiment, en fait, j'ai quasiment pas de contenu sur cet épisode. Voilà. On fera comme ça. Hein. Donc bon. Moi, je vous dis, a priori, en tout cas, à la prochaine. Portez-vous bien. Bye bye.